Et salut tout le monde, c'est Farage et bienvenue sur la planète Eos, où nous avons survécu après un atterrissage assez musculeux. Oui, musculeux, puisque bah, comme vous pouvez le voir, on a perdu une aile. Et bah écoutez, si vous vous souvenez dans l'épisode précédent, on a fait un peu la reconnaissance de cette zone, visiblement pas de danger apparent. Donc je pense que maintenant on va devoir aller faire notre rapport au capitaine. Alors, capitaine, il doit être là-bas. Dans le cockpit. Non, même pas. Il n'y a personne dans le cockpit. Bonjour, il est où? Ah bah si, il est là. Alors, rejoignez les équipages du Belena et du Dantelion et joignez-vous à eux pour explorer les alentours. Bah, c'est pas ce que j'ai fait. Aile gauche endommagée, propulsion déconnectée, navigation impossible. Ok. Ah, attendez, il y avait quelqu'un d'autre? J'avais pas vu. Bonjour. Nous avons réussi à atteindre la planète Eos, mais il est bien trop tôt pour baisser notre garde. Voulez-vous des conseils tactiques pour le combat? Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai déjà fait un épisode entier de 45 minutes sur le tuto, ça suffira. Bon, alors apparemment, j'ai dû oublier de parler à quelqu'un, j'imagine. Peut-être par là, il y avait un chemin qui était bloqué, je ne sais pas. Alors, ça va, Edge, reste sur tes gardes, nanana, ouais. Alors, tant que j'y pense, donc j'ai eu vos retours sur les deux premiers épisodes. Alors, comme j'espérais, vous avez beaucoup aimé ce début de Let's Play. Certains ont même trouvé des ressemblances avec Final Fantasy, ils ont trouvé que Edge ressemblait à Cloud. Bah, moi je vous dirais que ça m'étonne pas, on reconnaît la patte de Square Enix tout simplement, hein. Puis si vous voulez jouer dans ce terrain-là, je trouve que Crow, si vous vous souvenez, qu'on a vu dans le capitaine du Calnus, ressemble beaucoup à Sephiroth. Mais bon. Alors, je vais réparer ce qui est réparable, mais ça va prendre pas mal de temps, on va devoir rester au sol, oui, d'accord. C'est peut-être là, vous, là. Alors, je n'aurais jamais pensé me servir de ça en dehors du magasin. Ça, c'est une cisaille. Des ondes haute fréquence parcourent la lame pour qu'elle soit toujours aiguisée. Vous n'allez quand même pas me dire que vous ne saviez pas ça. Bah... Je suis content que vous n'ayez rien. Le Balena et le Dantelion ont été salement touchés. Les équipages s'en sont tirés de peu, mais les deux capitaines sont morts. Carrément, putain! Ah ouais! Dire que je pensais avoir raconté... Voilà, dire que je pensais avoir de jolies histoires à raconter à ma fille en rentrant. Regardez-moi ça, quel désastre. Oui... Bon, ben on va parler à un petit peu tout le monde et on va voir, hein, parce que... le tour de reconnaissance, on l'a déjà fait, techniquement. Je me suis inquiété pour vous après avoir vu ce qui était arrivé aux autres vaisseaux, mais on dirait que le Calnus en est plutôt bien sorti. Ah, au fait, prenez ça au cas où. Bracelet de sniper. J'ai trouvé ça sur l'épave du C02. Il paraissait intact, alors je l'ai pris. Ce n'est pas grand chose, mais équipez-vous-en, ça peut vous servir. Bah oui, écoute, volontiers. Alors comment on fait pour s'équiper? Objet, s'équiper. Bracelet de sniper. Bracelet argenté améliorant la concentration de celui qui le porte. Bon, bah ça augmente ma précision, tant mieux. Et toi, tu me dis quoi? Vous vous êtes déjà équipé de ce bracelet? J'espère que ce pire n'est pas passé, blablabla, oui, non mais c'est bon. Alors toi. Un sacré accident, vous êtes du Calnus, content d'apprendre que vous en êtes aussi sorti. Bah, d'accord, mais... Ah, j'avais même pas vu qu'il y avait un coffre, là. Wouah, cisaille à métaux brisés. Ouais. Bah, ouais, d'accord, mais dans ce cas, attendez, il y a forcément quelque chose que j'ai loupé, là. Non, tu cours. Il y a forcément quelque chose que j'ai loupé, mais alors qu'est-ce que j'ai loupé? Puisque là, j'ai parlé à tout le monde. Ou alors, il faut peut-être... Bah non, non, non. Ça m'étonnerait qu'il faille parler à quelqu'un dans le vaisseau, puisqu'il m'a dit... Il m'a dit, rejoignez les équipages pour partir en reconnaissance. Donc, c'est quand même vachement beau. Hein. Regardez les détails de l'eau. C'est vraiment... On reconnaît vraiment, comme je disais, la patte de Square Enix qui est... qui propose vraiment une qualité graphique irréprochable. Bon, bah ça commence bien. On tourne déjà en rond. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé? Donc, vous deux, on est bien d'accord, je vous ai parlé. Toi, je t'ai parlé.
Aussi. Ah bah tiens, il fallait lui reparler, d'accord. Peut-être parler à tout le monde et après lui reparler à elle. The Calnus actually held up pretty good, huh? Yeah. D'ailleurs, Crow, c'était le capitaine de l'Aquila, pas du Calnus. Je me suis trompé. Edge, do you think Crow is okay? Mais bien sûr, c'est Sephiroth, il va forcément bien. He's not the type to let something like this do him in. Yeah, you're right. I'm sure he's fine. Anyway, how are things looking out here? It's just like the exploration craft reported. The environment on this continent seems perfectly suitable for human habitation. There's lots of primitive gymnospermae like these ferns and cycads. The climate is subtropical and, well, to put it in Earth terms, it's a lot like the Jurassic period. The Jurassic? Think we'll run into any dinosaurs? Come on, the exploration report didn't say anything about any large-scale life forms. Aucune forme de grande taille, hein? Et ça, c'est quoi alors? What is that thing? Some kind of bug? No way! Hey, attack already! Railguns have no effect? Eh oui, les épées, ça marche toujours mieux que les fusils, c'est bien connu. I'm taking at least one of those legs home with me. Did that work? Good. So they're not totally invincible. And that means I can do this. Allez les amis, premier vrai combat de ce Let's Play. Et il risque d'y en avoir pas mal, hein. Alors faut que je me souvienne des bases du combat maintenant, moi. Ouais. Aha! Aha! Attaque surprise! Enfin non, attaque éclair! Wata! 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 Tiens, 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 tiens! Et tiens! T'en veux encore? Pas de soucis! Allez, viens! Aha! Attaque éclair! Wata! Looks like we're done here. Ah, j'ai fait une fin critique, donc expérience plus 10%. Bah parfait! Ok, vous allez bien? Moi? Oh, ça va, il en faudrait plus pour ça, pour m'abattre. Vous devriez aller voir le capitaine Grafton, il se débrouillera par ici. Bon, vous avez compris, à l'épée, hein. Alors, capitaine! Il y a des insectes géants qui veulent nous tuer! Sir, we're in no condition.
mission to explore this planet. Hey, how long do you plan on staying mad? You big jerk. I said not to do anything stupid. I'm not letting you off with this. That's what I've been trying to explain, sir! We never heard about any dangerous life forms here! Securing a safe environment and eliminating threats to colonization. These are part of the SRF's duties as well, are they not? At this point, we have no choice but to request aid from the military and strengthen our- Don't be ridiculous! Do you think I'd let those blockheads meddle in this? People are dying here! Edge. What we need here are results. Danger, sacrifice, it's all part of the process. In any case, I don't have time to sit here listening to your petty complaints. Of course, I'd hate to be thought of as a cold-hearted superior who's all talk. So I've already contacted them for you. Them? You don't mean the- You'll be receiving their assistance shortly. Until then, I expect you to follow standard SRF operating procedure. Over and out. Them? Who's them? I'll explain everything in due time. For now, well done, Mr. Maverick. You're the only man who wasn't seriously injured by that creature. Thank you, sir. It was just luck. May I ask if we've been able to contact the other ships yet? I'm sorry to say the Aquila remains a question mark. Sir, what about the Aramia? We know it's here on Eos. We lost the Aramia's tracer signal earlier. It vanished. Vanished? But you don't think... The possibility certainly exists, but let's not jump to conclusions yet. First, we must discover what became of the Aramia. Mr. Maverick, I'd like you to search for the Aramia. Me? Sir? It will undoubtedly be dangerous, but at this point... Edge. Understood. Edge Maverick, reporting for reconnaissance duty. Bon, très bien. Why did you accept such a dangerous assignment so quickly? And now you say you're going out there alone? Come on, Edge. That's just reckless. I can't just leave our people alone out there. I have to get going, Raimi. Yeah, let's. Yeah. Wait, what? Where do you think you're going? I'm coming with you. And before you ask, yes, I already have Captain Grafton's leave. Are you kidding? You were just going on about how dangerous it is. And that's why I'm coming, to make sure you don't do anything else stupid. What? That has been known to happen? I said I wasn't letting you off, remember? What exactly do you think you're going to do if we have to fight another one of those bug things? I'll be able to hold my own as long as I have this. So, you think that'll do the trick, huh? Well, I guess you were at the top of your archery class. All right, I'm counting on you, partner. That's more like it. That's where the Aramia is! Let's go. Alors, Raimi a rejoint l'équipe. Parfait. Voyons. Donc Raimi, elle est plus attaquante à distance. D'ailleurs, attendez, y a pas un moyen de changer la formation? Non, je pense pas. Hein. Voyons voir. Donc elle, voilà, attaque. Elle a moins d'attaque, moins d'intelligence, défense, c'est pareil. Elle est moins précise et a un peu plus de garde. D'accord. Au niveau des éléments, ils ont rien. Ouais d'accord, parce qu'en fait elle a une cote alors que lui il a une armure, c'est pour ça qu'il a plus de défense. Ok d'accord. Au niveau PV, elle en a moins, PM elle en a moins, bon elle a tout en moins en fait, d'accord. Ok, on peut changer le nom, sérieux? Raimi, ah bah non, 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 on
on va laisser les mêmes noms. Hein. Au niveau de la tactique, je pense qu'elle a autre chose. Elle combattait en duel, oui, non, c'est pas ça que je veux dire. Donc là, déjà, on peut voir qu'on va avoir au total 8 équipiers. Voilà, c'est ça, c'est les coups. Donc toi, c'est coup F, voilà, et elle, c'est les coups plutôt défensifs, à distance, tout ça. Ok, d'accord. D'accord, d'accord. Bon, et au niveau des compétences, elle a quoi comme compétences? Elle peut faire la récolte. D'accord. Ok. Bonus compétence, je me souviens plus ce que c'est. Ah, elle peut cuisiner. Donc moi je peux forger. Elle peut cuisiner, récolter. Ok. Épine Sonic, une flèche chargée d'énergie traverse tout sur son passage. Ok, d'accord. Bon, mais ça m'a l'air pas mal tout ça, hein. Et donc là, si je veux utiliser la compétence de récolte qu'il y avait là-bas, est-ce que je peux le faire directement ou est-ce qu'il faut que je la sélectionne? Voyons. Récolter. Non, elle le fait directement. Nickel. Ok. Bon, mais ça me paraît bien tout ça. Alors, du coup, j'imagine qu'on peut aller par là maintenant. Ouais. Donc là, je tourne en rond normalement. Oui. Ok. Bon, mais alors c'est parti les amis. Exploration de la jungle d'Eos. Oui, effectivement, c'est plus efficace comme ça. Well. Par contre, vous me dites, elle les met où ces flèches? Not bad. I said I was counting on you, didn't I? On est bien d'accord, elle vient de tirer une flèche là, hein. Elle les range où ces flèches? Bon, on va dire que c'est comme Link, elle doit avoir les poches à Mimimati. Alors, est-ce qu'il y a un moyen? Oui, il y a un moyen d'afficher la carte, je me rappelle plus lequel, mais... Ah ben voilà. Donc là, à gauche, c'est des cul-de-sac, alors allons voir. Hello! Alors, on va jouer avec Rémi pour voir un peu, donc... D'accord. Aïe. Ah, et ça fait... Ah oui, ça fait quoi, ses attaques éclairs? Aha! Oh, la classe! Tiens! Oh, c'est stylé. C'est stylé. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est stylé. Toi, tu me regardes. Laisse la demoiselle tranquille. C'est stylé, franchement. Alors, expérience, ouais, genre il faudrait que j'essaie de les tuer avec des coups critiques. Ah, niveau supplémentaire. Bon, bah parfait, j'ai tout qui augmente. Très bien. Ouais, il faudrait que j'essaie de les tuer avec des coups critiques pour augmenter mon expérience, ça serait pas mal. Alors là, visiblement, il n'y a rien. On dirait que c'est un bon endroit pour extraire des minerais, mais visiblement, j'ai pas les compétences pour. Oh. Granty, c'est quoi ça? C'est des... Ouais, je me disais bien, il y a quelque chose là derrière. C'est quoi, ces espèces de toiles d'araignée, je sais pas. Pierre du vent. J'imagine que ça doit se forger sur les... Sur les armes pour augmenter les dégâts élémentaires ou des trucs comme ça. Aha! Coucou! Allez, dégage! Bah on va aller au nord, hein. Quoique c'est pas au nord qu'il y avait la fumée, je sais plus. Bon, de toute façon on se balade, on explore, on verra bien, hein. Bonjour. Ah,
Ow. Ow. Oula, oula, mais c'est qu'ils font mal en plus, regardez, je suis déjà dans le... Wow, 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 wow. Attendez, hop. Allez, couchez. Comment on fait pour... Ah bah oui, non, j'allais dire comment on se fait pour mettre en garde. C'est vrai qu'en garde, il se met tout seul. Non, non, toi, tu me regardes. Wouah, mais ils font super mal, ces trucs. Putain, c'est chaud, hein. Peut-être devoir utiliser déjà ça, hein. Ah non, c'est pas ça. Y a pas un truc qui soigne tout le monde? Non, évidemment, hein. Bon, on va soigner d'abord Rémi. Ah bah, d'accord. D'accord, elle est déjà morte et moi je suis dans le jaune. Mais c'est génial. Et elle ressuscite à la fin d'un combat? J'espère. Bon, elle ne ressuscite pas. Alors là déjà on a un problème. Est-ce que si je lui mets un objet de soin... Oh putain. Bon bah je suis tout seul. Ok. Oh putain, il y en a un autre. Est-ce que j'essaye ou pas? Allez, j'essaye, je suis à fond. Ah, ça va être tendu, hein. Ça va être clairement tendu, les amis. Il va falloir que je joue sur les esquives et sur les attaques éclairs, je pense. Ah ah! Voilà. Allez, viens. Voilà, il va falloir que je la joue comme ça. Sinon, ça va être un petit peu compliqué. Ah, et j'ai gagné un autre truc d'expérience, ça c'est bien. Par contre, ce qui m'embête, c'est que là, du coup, il n'y a que Edge qui va prendre de l'expérience. Bon, bah écoutez, de toute façon, c'est comme ça. Hein. Vu qu'on n'a pas de magasin où acheter des objets, là, j'ai pas vraiment trop le choix que de continuer et d'espérer. Tout ça pour un coffre. Du fer, ouais, c'est bien de me donner du fer, mais tiens, c'est vachement beau. Mais disais-je, moi j'aimerais bien quelque chose pour ressusciter mes alliés en fait. Hein. Il manquerait plus que je me tape un boss maintenant. Ha! Allez, viens! Hello! Coucou! Voilà, nickel! Allez, à toi! Allez, viens! Coucou, je suis là! Voilà, il va falloir vachement jouer sur les attaques éclairs. Hein. Regardez, j'ai gagné encore un truc d'expérience. Deux trucs d'expérience, nickel! 40% d'expérience supplémentaire, ça c'est bien. Et en plus je prends un niveau. Ah non, c'est mon bonus de coup qui augmente. Ah bah parfait. Parfait, parfait. Mais je le redis, ça m'embête quand même pour notre ami Rémi, hein. Bon, enfin, de toute façon j'ai pas trop le choix. Allez, go. Non, esquive. Là, je vais la jouer qu'en attaque éclair. J'ai pas vraiment le choix parce que sinon je vais me faire défoncer. Hein. Allez, go! Voilà. Ah, oh, j'ai eu les deux en même temps, ça c'est pas mal. Et apparemment, le fait de prendre un niveau, ça a l'air de me soigner. Bon, ça c'est très bien. Bon, ben Rémi, il aura du retard, hein. Ça commence bien. Alors, voyons voir. Là, si j'affiche la carte, bon, tous les chemins mènent à Rome, hein, donc on va continuer tout droit. Et faire les combats autant que possible, parce que j'ai besoin d'entraînement, comme vous avez pu le constater. À l'attaque! Oh,
Recule, esquive. Oh, bien joué. Ah ah! Oh, ils font mal. Ah ah! Allez, encore un coup critique. Nickel, voilà. Allez, toi, tu meurs en critique, ce serait génial. Ouais, bon, j'ai 6 gemmes d'expérience supplémentaire, ce qui me fait 60% d'expérience supplémentaire, ça c'est génial. Ok, ensuite c'est par là. Alors voyons voir, je vais d'abord faire le tour par le haut, et ensuite, non d'abord à droite là, et ensuite je ferai le tour par le haut. Oula oula, là il va falloir que je fasse attention, il y a du monde. Ah ah! Esquive! Esquive! Allez, viens! Ah, la guêpe, ça devrait la tuer. Nickel. Voilà. Ah, il m'a eu l'autre! Oh non! Oh, bien joué. Ah, et j'ai eu un truc jaune. Alors, les trucs jaunes, je sais plus, c'est quoi. Bon, de l'argent supplémentaire, c'est bien aussi, mais je sais plus comment on les a, les trucs jaunes. Ok, donc j'ai dit que j'allais d'abord là à droite. Allez, venez. Donc là, ce qui est dommage, c'est que le truc jaune, comme il est au milieu, ça me... je crois que ça me compte plus le bonus. Ah, quoique si, les trucs bleus clignotent, donc ça me compte quand même un bonus. 100% de bonus supplémentaire, donc je gagne le double d'expérience. Ça, c'est pas mal. Bon, en même temps, je pense que le jeu est fait pour... C'est pas si... À mon avis, c'est pas si cheaté que ça, parce que le jeu est fait pour qu'on ait ce genre de bonus. C'est peut-être pour ça que la difficulté est élevée. Enfin, je sais pas. J'imagine. Bon, en tout cas, là, il y a rien. Donc on va faire le tour par le haut et puis on va voir. Alors je ne sais pas si les ennemis repop. On dirait que oui. De toute façon là j'ai pas le choix, il faut clairement s'entraîner. C'est parti. Voilà. Allez viens. Voilà, et là un autre truc bleu. Nickel, voilà, il m'en manque plus qu'un et après je suis parfait. Allez, l'abeille. Et on va pouvoir progresser. Comment ça, attaque surprise? Genre. Wow, 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 c'est quoi tout ça? Ah là y a pas, ouais, là y a pas photo hein, c'est... Oh non, en plus ils m'ont eu, non. Oh, damned. Bon alors on va soigner un petit coup parce que ça devient dangereux. Putain ils m'ont... Ah d'accord, en plus ils peuvent m'interrompre quand je me soigne, vite. Voilà, nickel. Ah, c'est tendu. Tendu. Allez, allez, non. Voilà. Il faut que je refasse ma jauge de... d'expérience. Allez, go! Allez, viens, toi. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Par encore des guêpes. Oh non! Il m'a pas eu par derrière là! Mais d'où il m'a eu par derrière? Bon, enfin, ils ont l'air. Ah ben, ils sont 4, merde!
Mais non! Allez! Là, je suis obligé de les avoir en attaque. Oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Ah! On peut pas fuir le combat, tout simplement, parce que là, c'est un peu tendu, quoi. Compétence, symbologie, objet, fuir, ouais. Non, non, non! Ah! Non, mais quand tu fuis, tu fuis! Tu restes pas à côté, quoi. Alors, attendez, d'abord, je vais me soigner parce que là. Voilà. Et tu fuis! Allez, tu fuis! Bon, j'ai perdu un peu mon tableau de bonus, mais là, j'avais pas vraiment le choix. Hein. Oh là 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 là, c'est tendu! Tendu, tendu. Alors, on va vite s'éloigner de cette guêpe. Oh là 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 là. Bon, bah les amis, vous savez quoi? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. L'épisode a assez duré. Et puis, bah, moi, je vous retrouve dans le prochain épisode pour essayer de me dépatrouger de tout ça. J'espère en tout cas que l'épisode vous aura plu. Laissez un petit pouce bleu. Salut tout le monde!